Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch d'aujourd'hui de cette vidéo c'est le 0570564587577. Donc le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines parce qu'il s'efface toutes les 2 semaines. Et par la même occasion, pendant que ça charge toujours, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, merci, merci énormément. Alors quand la map est lancée, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans menu lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch pour gagner beaucoup plus d'XP. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps, vous faites le glitch directement. Mais si vous avez le temps, ben, vous attendez 10 minutes. Comme ça, vous gagnerez beaucoup plus d'XP. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc dans 20 secondes, ça fera 10 minutes que j'attends. Donc là, je vais déjà vous présenter. Le temps passera en vous présentant les choses. Donc déjà, prenez le cramponneur. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la map et vous regardez vers le coffre. Donc, le coffre qui est juste en dessous de moi. Et vous allez aller à droite du coffre. Voilà, comme je suis en train de le faire. Donc, le coffre, il est là. Vous allez juste à droite dans le coin. Et là, vous allez utiliser votre cramponneur pour monter tout en haut. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, vous vous mettez dans le coin juste ici. Donc, quand vous êtes dans le coin où il y a le coffre, ce que vous faites, c'est que vous allez tomber comme ça. Et vous allez construire un sol à 2 étages. Ok? Donc ensuite, quand vous avez fait un sol à 2 étages, vous créez un deuxième sol là ici, un troisième sol ici. Et là, vous faites une rampe sur le troisième sol. Et là, vous avez un bouton d'XP secret juste ici. Donc, 1, 2, 3 carrés. Hop, bouton secret. Donc là, je suis niveau 25 avec 11 000 XP restants. J'ai déjà obtenu 3 000 XP en début de game, si jamais. Voilà. Donc ça c'est le premier glitch. Alors le deuxième glitch, vous regardez le coffre, vous retournez et vous allez dans le coin juste ici à droite. Donc c'est parti. Donc là regardez, il n'y a pas le coffre. Hein. C'est vraiment de l'autre côté à gauche. Donc quand vous vous retournez, c'est à gauche. Alors ensuite vous montez tout en haut. Comme ceci, voilà, parfait. Là vous vous laissez tomber de ce côté là. Donc là regardez, il y a le spawn. Vous pouvez voir une ombre et tout. Essayez de vous repérer au spawn. Ici, vous allez dans le coin. Vous voyez que les couleurs des carrés sont plus foncées que de droite. Okay. Donc là, vous calculez 1, 2 carrés. Ensuite, vous faites 1, 2 chapeaux. Et au deuxième chapeau, juste ici, dans le coin. Regardez où je suis, dans le coin. Il y a un bouton XP. Donc là, on va voir comment ça va me rapporter. Boum. Donc ça, c'est le deuxième glitch. Et là, je vais vous présenter le troisième glitch. Donc le troisième glitch, c'est là où il y a le coffre. Vous retournez vers la gauche. Et là, boum, vous avez une Wishplash, une voiture Wishplash de ce côté-là. Donc vous allez vers la voiture Wishplash. Hop. Donc le coffre, il est bien derrière moi. Tout à gauche. Quand vous retournez, c'est à droite. Et là, vous allez calculer 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Ensuite, vous construisez deux toits. Et là, juste ici, au coin du toit. Donc en face de la Wishplash, vous avez un bouton secret XP. Donc vous interagissez avec et boum, ça va vous donner de l'XP encore. Donc par contre, ce glitch-là ne m'a pas rapporté énormément d'XP, ce que je vois. J'étais niveau quoi? J'étais niveau combien? Je sais pas. Je crois que je vais regarder vite fait combien j'étais de niveau. Ok, donc en début de game, j'étais niveau 25 avec 11 000 XP restants. Donc là, j'ai gagné
80, 160. J'ai gagné 180 000. J'ai gagné 2 niveaux plus 20 000. Donc j'ai gagné 180 000 en un seul glitch. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas l'un des meilleurs. Mais bon, voilà, je vous le présente quand même. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace!